Top, c'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous pouvez vous présenter? Effectivement. Je suis monsieur Nieto Nieto Clément, à l'état civil, planteur dans le département de Ouragayo précisément. Dans le département de Gagnoa, précisément Ouragayo, planteur de cacao. Quel est l'objet de votre visite à Koussangui? L'objet de ma visite, c'est juste pour savoir plus par rapport à l'agroforestière. Agroforesterie. Ouais. Et c'est ce qui m'amène à voir les plantations de cette zone. De cette sorte de zone pour pouvoir lancer le message aux autres planteurs. Ouais. Parce que de nos jours, le cacao est devenu autre chose, c'est maltraité. Voilà. Et on nous conseille de planter ces arbres, Samania Sama. Et je suis venu, j'ai fait la découverte et je suis très satisfait. Après donc la visite de la plantation témoin créée depuis 1976 dans le village de Koussangui, quelles sont vos impressions par rapport, n'est-ce pas, à l'existence de ces bois dont vous venez de parler, de Samania Saman et l'Albizia Sipulata? 2016. Oui. Depuis 2016, oui. Voilà, 2016. Oui, ma visite... Vos impressions après la visite du champ? Oui, je suis complètement impressionné et je suis ému des travaux et ça me donne beaucoup d'idées par rapport aux œuvres que je viens de découvrir. À ma connaissance, c'est de mettre vraiment une structure en place à notre niveau, c'est-à-dire que dans le département du Gord, précisément, Ouragayo. Donc, je suis très, très ému. Est-ce que les rôles qu'on vous a expliqués, comme quoi la présence de ces arbres allait modifier, n'est-ce pas, le paysage de la cacaoculture, est-ce que vous avez remarqué que, n'est-ce pas, les cacaoès qui sont autour de ces arbres-là jouent effectivement le rôle pour lequel, n'est-ce pas, au cours de la sensibilisation, vous avez été donc informé? Oui, effectivement, ces arbres jouent un très grand rôle, puisque ça rend la terre fertile, plus riche, et ça donne de l'ombrage, et ça change complètement le visage de la plantation du cacao. Okay. Bon, on va s'arrêter là.